Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 7 novembre. Merci pour votre patience. Voilà, j'ai encore eu des petits soucis techniques. Je crois que mon GSM n'est plus trop d'accord. Voilà, donc bon, ben, me voici avec de nouveau une caméra. On essaie d'arranger les bidons comme on peut. Donc veuillez m'excuser pour ce petit retard, parce que j'aime bien vous donner les messages du matin le plus tôt possible, évidemment. Et on va tout de suite voir quelles sont les énergies. Et avant de commencer, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées récemment. Je remercie aussi du fond du cœur les anciens, les fidèles. Merci aussi pour vos messages. Je remercie les personnes qui m'ont envoyé des messages privés. Alors, on va rester dans l'anonymat, mais si vous passez par là, vraiment merci du fond du cœur. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. J'ai pas encore eu le temps de vous répondre, mais je vais le faire aujourd'hui. Et donc, on va se prendre un petit café, un petit thé. Je sais pas ce que vous prenez, vous, le matin. Peut-être que vous êtes dans une pause ou vous prendrez un verre d'eau ou rien du tout, mais voilà, moi je prends mon petit café avec vous et puis on commence tout de suite. Alors j'utilise le tarot Wheel of the Year et puis les cartes lumière, toutes les infos concernant les jeux et comment se les procurer sont en barre d'informations de la vidéo, donc vous pouvez aller dans le menu déroulant afin de voir les jeux que j'utilise. On va voir ce que ça nous dit pour vous aujourd'hui, quels sont les messages par rapport à ce qui pourrait se produire de positif, mais aussi de négatif, afin d'accueillir tout ça au mieux. Ok, alors. J'espère que vous avez passé un bon week-end, les amis. En positif, nous avons... Waouh, ça c'est vraiment beau, hein? On a le monde. Alors, je les sors et puis on en parle. Hein? En négatif, nous avons le 8 de bâton. Alors, on va commencer par le positif pour se mettre du baume au cœur. J'espère que vous voyez bien. Ouais. Donc, le monde, c'est vraiment une carte de réalisation, d'épanouissement, de complétude, bien sûr. Ou peut-être que vous allez être... récompensé pour avoir fait quelque chose d'intéressant dans votre travail, si vous travaillez, un projet qui a été mené jusqu'à son terme et avec succès. Il y a une notion de... Alors, c'est pas une couronne hein, qu'elle a autour de la tête, mais presque. Elle est vraiment auréolée de quelque chose de très beau, qui est à la fois froid et chaud. Donc, c'est aussi le mélange des contraires qui, en réalité, sont complémentaires. Donc, cette carte nous parle aussi de complétude en soi et en amour, c'est de parvenir à réaliser enfin dans la matière quelque chose peut-être pour lequel vous travaillez depuis longtemps. Alors ce qui me surprend un peu, mais en même temps c'est pas quelque part c'est pas si paradoxal que ça. Avec le 8 de bâton en négatif, c'est vraiment une énergie de enfin, normalement c'est quelque chose qui va vite hein. D'ailleurs d'habitude ce sont des bâtons qui fusent, ici c'est un, alors je dirais que c'est un aigle ou non pas un vautour, je pense que c'est un aigle royal ou quelque chose comme ça qui probablement a de l'envergure, de la vitesse, donc vous pourriez être un peu aujourd'hui dans une sensation de les choses ne vont pas assez vite, ou bien vous avez envoyé un message à quelqu'un et il ne vous répond pas, ou l'inverse, il y a quelque chose qui prend plus de temps que prévu, avec le 8 de bâton qui est normalement une carte donc d'action, bah, peut-être que cette réalisation, certes elle est en train de se faire, mais pas encore assez vite à votre goût, donc on va se dire les amis, patience, on y va tranquille, tout va bien puisqu'on voit que vous êtes sur le bon chemin, c'est en train de se faire. Si vous êtes occupé par exemple à mettre sur pied une nouvelle activité, bah, vous êtes sur la bonne voie, on voit que ça va fonctionner. Il y a peut-être encore des petites choses à régler, une communication avec l'une ou l'autre personne qui n'est peut-être pas aussi fluide que vous ne le souhaiteriez, mais au final les choses sont quand même sur la bonne voie. Ça me dit aussi, puisqu'on parlait de complétude au départ avec la carte du monde, qu'il pourrait y avoir
comment dire, à la fois vous sentez que vous êtes en bon chemin, que peut-être la relation s'améliore, que l'un et l'autre vous acceptez mieux vos différences et que vous comprenez petit à petit que vous êtes complémentaires plutôt qu'opposés, mais la communication ou la manière de mettre en route le lien ne va pas assez vite. Voilà, enfin, ça va pas assez vite pour vous, ou bien ça va pas assez vite pour lui ou pour elle, mais pour moi c'est plus... c'est pas vraiment dans la réalité des faits, c'est plus une sensation que vous pourriez avoir aujourd'hui. Alors ça me dit aussi que vous réalisez que pour pouvoir vraiment arriver au terme de ce que vous désirez le plus, il va falloir quand même passer à la vitesse supérieure, il va falloir se mettre en action et pas seulement être dans la théorie. Peut-être que c'est autour de vous des personnes qui ont de belles idées et que vous trouvez que c'est super, mais ça manque un peu d'action. Donc voilà un petit peu ce qui se passe. Alors par rapport à cette notion relationnelle, le monde est aussi une carte qui parle évidemment de distance géographique. Si vous êtes éloigné de quelqu'un que vous aimez, que ce soit un amoureux, une amoureuse, que ce soit quelqu'un de la famille, mais qui compte beaucoup pour vous, il pourrait y avoir une envie soudainement, hein, de se déplacer, de se dire bon bah maintenant stop avec cette distance, on a besoin de se voir, on a besoin de se retrouver. On voit que avec la carte du monde ça va être une envie partagée, d'accord, des deux côtés, mais il pourrait y avoir justement peut-être un petit retard à ce niveau-là par rapport au fait de se déplacer et que ça prenne plus de temps que prévu, soit parce que vous êtes vraiment loin l'un de l'autre en termes de kilomètres, soit parce que simplement vos agendas, vos timings ne correspondent pas. Mais pour moi, ça me parle plus, si c'est pas relationnel, ça me parle vraiment au niveau professionnel ou d'une activité, de quelque chose que vous accomplissez au quotidien, qui vous tient à cœur et qui vous permet de vous sentir bien en vous. Et on voit que ça va être le cas aujourd'hui. Donc, la journée a déjà commencé et je vous souhaite qu'elle continue vraiment sur cette belle énergie du monde. Alors, il y a une ouverture, hein. On voit que vous êtes peut-être plus dans l'ouverture, dans l'envie d'aller à l'extérieur, de se dire bon ben je vais aller vers telle personne ou faire telle activité avec pour ne pas rester enfermé chez vous. Donc c'est vraiment très bien. Alors on va prendre des messages complémentaires avec les cartes lumière que vous voyez ici, qui, alors c'est ça que j'adore dans ce jeu, ont des cartes, bon je ne les lis qu'à l'endroit de toute façon, donc on s'en fiche un peu si elles sont à l'envers, c'est pas grave. Oui, le tarot, je voulais vous le dire, je le lis à l'envers et à l'endroit. Mais ces cartes-ci, je ne les lis que à l'endroit. Alors, c'est des cartes d'ombre, de lumière, de ressources, des cartes sur les émotions aussi. Donc, on va un peu voir ce que ça nous raconte par rapport tant au positif qu'au négatif. On va recouvrir ça pour vous, mes chers amis, qui regardez ce café tarot. Mais je vais en profiter pour prendre un petit peu de café, hein, parce qu'on est quand même là aussi pour ça. Alors, un petit complément d'information pour vous, s'il vous plaît, par rapport au... Si vous prévoyez un voyage, il pourrait, comme je vous le disais, y avoir des petits retards ou difficultés à concrétiser vraiment, mais ça va se faire, hein, donc... pas de panique, je vais vous les mettre comme ça pour que vous puissiez les regarder. Alors, on va prendre donc deux cartes. Hein. Alors, avec le monde, on a la Renaissance. Wow, ça, c'est vraiment super beau. Donc, oui, voilà, ça me donne vraiment cette impression, comme je vous le disais, d'ouverture, de... Bon, ben, on a besoin de se réaliser. On voit qu'il y a des choses qui peuvent se mettre en place dans un projet, dans une relation, dans une idée, quoi que ce soit, même de petit dans votre quotidien, mais qui vous permettent de vous sentir pleinement vous-même, pleinement uni, pleinement... Il y a une notion de bonheur qui trace. C'est pas le soleil, mais quand même, on peut se douter que quand on est en train de se réaliser, il y a quand même un bonheur qui se fait et qui donne justement une sensation de renaissance dont vous avez besoin vraiment, je pense. Et on l'a vu, les énergies précédemment ont été, et je le crois toujours, sont toujours actuellement assez lourdes. Donc cette renaissance a à voir avec le fait que vous puissiez accomplir quelque chose de concret dans ce monde, dans votre quotidien ou dans une relation. Alors le petit mot qui va avec cette très jolie carte, qui est une carte de transformation,
dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Alors, ce qui vous gêne, c'est peut-être d'un point de vue moral, mental, ce sont peut-être des barrières à l'intérieur de vous-même, c'est peut-être quelque chose qui n'est plus utile dans votre vie ou dans votre travail ou dans une relation. Donc, quand on vous dit dépouillez-vous, ça ne veut pas dire débarrassez-vous de manière brutale, hein, mais c'est de prendre vraiment conscience de ce qui n'est pas bon à votre réalisation. Alors, par rapport à la carte du 8 de bâton, on a l'alchimiste. Bah, lui aussi, il transforme quelque part. C'est une carte lumière, très très belle carte. Vous êtes votre alchimiste, évidemment. Vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir. Soyez confiant. C'est incroyable comme c'est raccord. Regardez, vous voyez, ça va peut-être pas aussi vite que vous le voudriez. Il y a la communication. En fait, par moment, je ressens là qu'il y a parmi vous des personnes qui auraient envie et besoin qu'on lise dans leurs pensées. Certaines personnes en sont capables, bien sûr, hein, mais c'est une question de connexion à soi et à l'autre. Mais vous voyez, tout le monde ne peut pas faire ça. Ça irait évidemment du coup bien plus vite. Et parfois, moi, j'ai cette envie aussi qu'on devine mes désirs, mes besoins. Mais bon, il faut pouvoir s'exprimer aussi. Et la communication ne peut pas aller toujours aussi vite qu'on le voudrait. L'action non plus. Et les plus belles transformations qui vous poussent à cette renaissance et à cet accomplissement prennent du temps. Donc patience, il n'y a rien de négatif en fait. C'est super beau, c'est vraiment une belle énergie pour aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous aider, vous accompagner, vous donner de la force, de l'énergie, un regain de... Je ne sais pas moi, je sens qu'il y a eu des personnes qui étaient un peu déprimées aussi. Donc si ça peut vraiment vous pousser à aller de l'avant et à vous dire non, tout n'est pas terminé, tout n'est pas sombre, il y a vraiment des belles choses à accomplir et ça va se faire quoi qu'il arrive, et ben alors moi ma journée elle est réussie. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce qu'il en est pour vous, à me dire voilà ce que vous en pensez, à me faire vos suggestions si vous en avez bien sûr. Merci pour vos likes si vous avez aimé cette vidéo parce que ça soutient super bien mon travail, pour vos abonnements, pour tout ce que vous faites, voilà, c'est vraiment super et ça m'aide beaucoup. Je vous fais de gros bisous, passez une belle journée lumineuse et je vous retrouve demain pour notre prochain petit café que moi je vais terminer maintenant avec d'autres guidances. Bye bye.